Yo les gars, c'est Flo, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur Fortnite où on va voir un nouveau glitch XP. Vous allez voir qu'il est vraiment très facile et rapporte pas mal d'XP. Donc le code de la map c'est 3611-2125-1702. Donc une fois que vous avez noté le code, vous pouvez rentrer dans la map et vous pouvez directement lancer le jeu. Voilà, donc là on va attendre que la partie se lance. Donc voilà, une fois que c'est fait, on va attendre que le jeu démarre. Et là, du coup, bah voilà, on doit attendre 10 secondes. Donc j'en profite pour ceux qui veulent me soutenir dans la boutique d'objets. N'hésitez pas à mettre mon code créateur dans la boutique, ça me fera extrêmement plaisir et ça permet de soutenir la chaîne. Donc vraiment merci à tous ceux qui le mettront, ça fait plaisir. Voilà, une fois que c'est fait, on va pouvoir commencer le glitch. Mais avant, bon, ça serait bien que ça accepte, c'est un petit peu long. Voilà, donc voilà, j'aimerais ouvrir aussi une petite parenthèse du coup par rapport au glitch XP, puisque là, je sais pas si vous l'avez remarqué déjà, au niveau des vidéos, j'ai diminué un peu le rythme. Pour la simple et bonne raison en ce moment, bah voilà, les glitch XP c'est plus trop ça vu qu'on approche de la fin de saison. Donc bon, je vais pas faire la même erreur que j'avais fait il y a quelques mois où j'avais dit que les glitch XP c'était terminé, etc. C'était totalement faux en fait, je m'étais trompé, hein, donc voilà, je l'avais dit une connerie. Mais là en fait, bah, tout simplement, c'est juste que les glitch, voilà, on est en fin de saison, donc il y en a de moins en moins, puisque je sais pas, peut-être que la hype se diminue ou je sais pas trop. En tout cas, il faut juste savoir que, du coup, vu qu'il y a moins de glitch, il y a forcément moins de vidéos, ce qui est normal. Et je ne vais pas vous mentir aussi que je m'occupe aussi de ma chaîne secondaire qui me prend aussi un petit peu plus de temps. Donc, du coup, je diminue à 2 vidéos par jour. Du coup, pour le moment, je dis bien pour le moment, puisqu'après, quand il y aura la nouvelle saison, je reprendrai au niveau de à 3 par jour, du coup, comme d'habitude. Mais là, voilà, j'ai vraiment diminué, du coup, pour 2 par jour. Voilà, c'est tout à fait normal. C'est juste que la hype est descendue, donc il y a moins de glitch et donc moins de vidéos, c'est tout à fait normal. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, si vous voyez moins de vidéos, c'est tout à fait normal. On reviendra du coup avec 3 vidéos par jour lors de la nouvelle saison. Bah, c'est une petite parenthèse que je voulais ouvrir. Et puis voilà. Du coup, on va pouvoir commencer le glitch. Vous allez voir qu'il est très facile. Alors là, ce qu'on va devoir faire, c'est qu'on va mettre 3 sols ici et un sol à gauche. Là, on va pouvoir faire une émote. Voilà, là, vous voyez qu'on va gagner de l'XP. Vous voyez, ça continue de monter, donc c'est vraiment pas mal. Et ensuite, une fois qu'on a fait ce glitch là, on va pouvoir faire le deuxième glitch XP. Donc là, on a un bumper, on va pouvoir sauter dessus. Voilà, là on peut voir qu'on a un ours. Donc juste ici, on va mettre un coup de grappin pour arriver devant. Et là, on a du coup un bouton pour interagir. Et voilà, on va faire Secret XP et tout simplement, on va gagner de l'XP. Donc vous voyez que c'est quand même très efficace. Et c'est quand même très facile. Vous voyez, voilà, ça continue de monter. Donc voilà, c'est quand même très efficace. Donc ça, après, vous pouvez le faire en boucle à chaque fois si vous avez fini les glitches, tout simplement. Vous retournez à l'accueil et vous relancez le jeu. Tout simplement, c'est vraiment très facile. Donc voilà, profitez-en en tout cas de ce glitch avant qu'il soit peut-être patché, on ne sait pas. En tout cas, voilà, j'espère que la vidéo vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce bleu. Nous, du coup, on va se retrouver pour une prochaine vidéo. Je vous dis à la prochaine. Bye.